ever wonder where you'd land if you fell so deep into sleep, down the rabbit hole of your dreams, to a place beyond imagination and beneath the subconscious, where the very fabric of reality unravels? Our story begins with Molly. Il y a un petit côté Moss, même si c'est pas le même type de la narration, tout ça, en anglais, bon, malheureusement. Heureusement, c'est sous-titré. Hein. C'est sûr. Hello there. Where'd you come from, little girl? I fell down. From... I don't actually know. Where am I? If I squint my eyes, I feel like I recognize that face. Come up to my burrow so I can have a closer look at you. I'll put the kettle on. Par contre, les sous-titres sont un petit peu petits, je trouve. This is normal. At the bottom of a dark hole. And a talking mole just invited me over for tea. Ils sont pas trop mal placés, mais ils sont un peu petits, et parfois ils sont un peu vite. Donc si vous avez joué au premier, Down the Rabbit Hole, c'est exactement le principe. On attrape les racines pour se déplacer, on est dans un puits, hein, on est dans un puits. Et puis vous pouvez faire tourner comme ça, quand il y en a... Voilà. Et vous faire vous déplacer, parce que l'histoire, en fait, on va monter le puits au fur et à mesure. L'histoire se déroule comme ça. Et le petit personnage, un peu à la Moss finalement. Sauf qu'on va être toujours dans ce type d'environnement. Avec des choses cachées, et puis l'histoire qui se déroule. How will I get across? It is indeed a pressing issue. Donc là, il y a des petits trucs à récupérer. Some kind of picture. À tout moment, vous pouvez encore déplacer. Là, il y a pas mal, faut suivre l'histoire. Là, on peut accéder au journal et voir ce qu'on a ramassé. Alors, je crois que c'était dans le premier, voilà. Au fur et à mesure qu'on ramasse les morceaux, l'histoire se complète. Du classique. I guess the only way to go is up. The only way to go is up. A reassuring thought when you've just... C'est rare parce qu'on sent bien les vibrations, ils ont fait un système un peu de crantage. Quand on bouge comme ça, on sent des petits crans. Très rigolo. L'aptique. Petit détail, mais ça apporte son petit plus dans l'immersion. Donc là, on va... passer au cran au-dessus, et ainsi de suite, c'est le concept du jeu comme ça. Hop, j'aime bien, le premier était pareil. Ah, ici, il y en a, c'est caché, hein. faut bien faire gaffe. Ouais, c'est des bonus. I'll keep this in my journal. Si on regarde le journal... en train de faire le... Ah, et ça on a de plus en plus d'informations. J'espère que c'est pas... ça va, le cadrage est pas trop coupé. Donc on voit en bas, c'est où on était tout à l'heure, et après on continuera. Let's have a look at you. I seem to have misplaced my glasses. I'm blind without them. Would you help me look? That's a good year. Un petit côté click and, enfin un peu, comment on appelle ça déjà? Click and, j'avais fatigué moi. vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà les vieux jeux point and click. Ouh, on va y arriver. Bravo. Ouh, bref, ça arrive au cerveau. Et quand on joue par moment comme ça, donc c'est un mix, c'est un gameplay qu'ils ont fait un peu plusieurs choses.
like musical notes. A child's handwriting. Je crois que monsieur veut ses lunettes. C'est ça. These glasses. Have you seen them anywhere? Oh, là-haut. Ah, elles sont là. Elles sont là. Right. Des vues. I wonder what's up here. These must be the mole's glasses. On va les guigner s'il n'y a pas des petits trucs cachés. My grandpa used to read me that book. Ah, you found my glasses. Ah, spectacular. Now, let's see it. Just as I thought. It's you. Dear Molly. Oh, you're finally back in Underland. Wait, do you know me? Well, of course I know you. You used to come here all the time when you were younger. Well, we went on all sorts of adventures together. You really don't recognize your old pal, Mr. Mole? I don't remember anything, let alone a talking mole. Huh. Total amnesia, huh? Hmm. You must have banged your head pretty hard. And you don't remember how you got here. Beats me. It's almost like Underland pulled you down. Oh, strange. Maybe if we go on one of our adventures, it will all come back to you. An adventure? I'm not sure if I'm cut out for something like that. I'd probably just screw it up. You're saying no to an adventure? Well, that's not a Molly I used to know. I appreciate the offer, but could you just tell me how to get out of this place? Well, if you're in such a hurry to leave, I won't keep you. But the door back to your world has been closed for ages. But we'll need to get the old under engine up and running. And that engine won't run without a power plant to fuel it. C'est sûr, c'est un peu. Ça aurait été tellement plus sympa en. Là, comme Moss, hein, Moss est en français. C'est vrai que ça aurait été cool. Bon, après, ça, c'est faisable, mais c'est lisible, c'est des jeux où on a. Mais oui, j'avoue que ça aurait été tellement mieux. Après, les doublages sont bons aussi. The under-engine runs on a special kind of weed called willpower plant. I hid it away to keep it safe. Après, ça reste très lisible hein, dans le casque, en tout cas. Mais c'est vrai que voilà. You mean you lost it? No, I hid it. En parlant de ça, tiens, Mars, Vorx a découvert un truc sympa. Il plaira. I mean, hid the power plant back there. When you found it, take the elevator up to the machine room. Une petite utilitaire qui traduit à la volée vos jeux en VR. Alors traduit en texte, hein. Il a découvert ça. Ça traduit tous les textes que vous avez dans un jeu en VR. Ouais, bon, là, d'après ce que j'ai compris, ouais, c'est spécifique au jeu VR, ouais. Peut-être qu'il y a, ça existe en flat, hein. Oui, mais disons que quand t'as pas le choix, que ton jeu n'est pas sous-titré en français, t'es quand même content de te dire que tu peux le faire. J'imagine, parce qu'en flat, on a plus de choix normalement. That's right. The girl was overcome with loneliness, abandoned in this cold, dark place, with nobody to keep her company. Ouais, on en parlait, ouais, justement. Ça peut être pas mal, ouais. Jeez, so le problème, c'est que ça marche sur. Ça marche sur les jeux Steam et Lone Echo, c'est un jeu méta. Sauf que si tu passes par Revive, c'est peut-être moyen. Coup David, comment ça va? Maybe they've forgotten about me. Float like a butterfly. Sting like the realization that we're all truly alone in the world.
Deux P-câbles. Oh, quelle blague. Je te vois là. Ah, c'est comme des énigmes, ça tient. Alors, fais attention que je tape pas dans un truc. Comment on peut les accrocher? On en a à volonté? Alors là... Un petit peu. Ah, ça va permettre de voir des choses, non? Est-ce qu'on peut... Ah oui, marche. Alors, le tuyau, il part de où? Là-haut? Là? Ouais, sur les plans comme ça, un peu tout près, ouais, c'est vrai que c'est pas très très joli, ouais. Ouais, y a un style, un peu une patte graphique qui fait que, mais... c'est sûr que c'est... C'est un peu comme délavé, un peu comme... C'est ça. Alors là, je sais pas ce qui est... On peut toucher. Non. Ça n'a pas l'air d'interagir. Ça part du bas. Merci Mars. Pour l'instant, je me dis celui-là, il peut aller là. Que ça pourrait le faire. Oui, oui, je sais pas l'explication exacte du problème. C'est pas la première fois que ça me fait ce son bizarre, là. Mais je vais voir si je peux trouver un bug avec OBS. C'est ça, ouais. Ah, ça a fait un truc. Je sais pas, ça a déclenché quelque chose ou pas? Of course, the door is steam powered. Why not? C'est donc ça. J'imagine que la porte qui était là-bas. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir là. Non. Appuyez le bouton pour révéler des indices. Alors, attendez, je vais d'abord aller voir si le principe c'était ça. La base. I need to find that willpower. La plante Volunta avant de prendre l'ascenseur. La plante Volunta. Okay. Plante Volunta. Là, il y a l'air d'avoir un truc. Ah, tiens. On a déjà récupéré le petit truc caché, là. We have to remember the good times and the bad. Donc ça j'ai fait, je sais pas si c'était juste. Ah oui. Donc en fait il faut que j'en les mette tous en vert. Et au final je pense que. Donc il y en a combien? Il y en a 1, 2 et 3. Alors on a une sortie. Une autre, celle-là, je sais pas. 3. Ah oui, mais 4 même. Alors celle-là, je dirais qu'elle va avec celle-là. Coucou Anya. Là, je dirais que ok. Et celle-là elle devrait aller jaune, jaune, jaune ici. Comment tu vas, Anya? Je dirais que celle-là. On va la faire aller là. Non. Ah mais non, c'est le jaune, je suis con. Voilà. Et le vert, il était où? Le vert, ah bah c'est celui-là. Donc lui, il va falloir passer à côté.
On va dire comme ça. Et hop. Ah, le petit. I fixed it. I'm pretty good at this. On est bon, je pense, hein. On va aller voir si la porte... Ah, bah non, on a ouvert la porte ici, ok. C'est la plante... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était ça? Merci Alex. Je te vois. Bon après-midi, merci pour ton lurk. Passe un bon week-end. Donc là, on va aller là. Oh là, il y a plein de petites choses. Donc c'est bien, c'est un peu une sorte aussi puzzle game. Il y a plein de trucs. Je me souvenais pas du premier, je l'ai fait il y a très longtemps. D'ailleurs, je pense que je referai le premier avant de avancer celui-là. Je vais terminer le premier et j'enchaînerai avec celui-là. I'll keep it with my journal. Merci. Merci Alex. The willpower plan up there. You just had to put it on the highest shelf. Ça va être celle-là, là. Il semble. J'imagine. Eh ouais, bah bien sûr. On a cassé l'échelle. Bah bravo. Allez, le petit truc caché. Est-ce qu'elle peut escalader? Est-ce qu'on peut bouger ça? J'ai l'impression que ça, il y a moyen de le bouger, de le tourner. Ah, mais c'est avec les manivelles. Ah, d'accord. Ça, c'est une fois qu'on sera là. Le problème, c'est qu'il va falloir monter. Ah, on peut déplacer l'échelle. Ah, ben voilà. Ah, c'est rigolo, ça. On fait ça. Ça fait bouger là en même temps. Ok, ça va se faire en deux étapes, hein. En fait, il va falloir les placer. Ouais, ok, je commence à voir le raisonnement. Maybe these levers affect the ladders. Les trois sont verts là. On était presque. Ok, ensuite. Maybe these levers affect the ladders. Yeah, that should do the trick. Elle était là, la plante, hein. C'était plus simple pour deux échelles. Hein. Just holding the plant made the girl feel. Ah là, par contre, descendre, elle sait faire. Hein. And she even felt excited as she headed ouais. Back to the elevator. J'aime bien. To meet Mr. Mole in the machine room. Why would some old plant make me feel better? Plants are actually proven to help reduce stress. Well, I don't think self-medication is a great idea. I'm, of course, talking about owning houseplants. Hop. If you say so. Après, je vais pas essayer d'aller trop loin. Pas spoiler trop le jeu, c'est pas l'objectif. C'était vraiment de découvrir un peu le type de gameplay, et moi personnellement ce que je vais faire c'est que je ferai le 1, je reprendrai le 1 du coup,
Ça me donnait envie de jouer au 1 et puis finir le 1. Ils sont pas très longs, je crois, en durée de vie, c'est quelques heures. Et ensuite, je réenchaînerai sur celui-là. Comme ça, je ferai dans l'ordre. Même si je pense qu'on n'est pas obligé de faire le 1 avant. Je pense pas que l'histoire, on manque des petites références, comme d'habitude, mais je pense pas que ce soit indispensable. Après, là, je sais pas, parce que j'avoue que j'ai un peu zappé différentes choses. Hop. Salle des machines. Retournez voir Monsieur Taupe. Il était où, Monsieur Taupe? Le fond, salle des machines. Ok. Donc, 1, 2. C'est ça. Ah, je suis sous la table. Je pense pas que ce soit obligatoire, hein. Franchement, je pense pas. Mais j'ai quand même envie de faire le premier avant celui-là. Par rapport à... Je pense qu'il y a des références, comme je disais, au premier. Mais pas que ce soit... c'est une suite, mais je pense que c'est pas indispensable. C'est juste par rapport à des références que tu fais, des petits clins d'œil, etc., que tu rates si jamais t'as pas fait le premier. Juste que dans l'histoire principale, même si c'est pas un truc hyper... je pense que tu rates pas des choses importantes. The willpower plant in the soil over there, and we can get started. Plant the willpower plant in the soil over there, and we can get started. Plant is growing. I feel stronger already. Non, parce que j'ai l'oreillette. De temps en temps, je check ici, là. Mais en fait, je l'utilise que si j'ai besoin de checker. Après, j'utilise l'oreillette principalement, je vous entends, donc... tant que c'est compréhensible, j'ai pas besoin de regarder le chat. C'est juste quand j'ai un doute ou que je rate un message. Je me suis habitué à l'oreillette. Voilà, comme ça. Ouais, mais c'est très bien pensé. Ça passe très bien en VR. En plus, l'effet un peu dans le puits, là, comme ça. Plus tu montes, en plus, t'as l'effet un peu de hauteur, qui est sympa. Puis tu vois tous les environnements que t'as fait. C'est très sympa. Ben, c'était comme dans le premier, c'était pareil. Vraiment, c'est un système qui me fonctionne bien. Et je sais pas parmi vous, comme j'ai dit, il y en a quelques-uns qui ont sûrement fait le premier, mais... On retrouve vraiment l'ADN du début, enfin, avec une histoire différente, mais... non, mais je vous entends, je vous entends. J'entends vos bêtises. Alors là, qu'est-ce qu'il disait? Ces machins-là, je pense, ils sont rigolos, mais ils servent à rien, en fait. Donc elle grandit. Ah, elle n'a pas l'air en bon état, ma plante. Peut-être lui reparler. Ah, c'est ça. Oh non, 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 non. La machine est broken. Malfunctionning. Completely kaput. It seems to be missing its four most vital parts. Can you fix it? Maybe try turning it off and on again? There's no fixing this with bolts and screws. Those machine parts are completely irreplaceable and hold immense power. The heart valve, the iron compass, and the quantum ring, and the steam governor. Somebody must have stolen them. Ah, ben pas tous les jours non plus. On va alterner quand même, on va pas abandonner. Je fais selon l'actu. J'en ai fait ce matin par contre. Hein. J'expérimente.
On y reviendra la semaine prochaine, je pense. When did this happen? The other night, I woke up and heard a bunch of clanking and banging, and I saw someone running off. But I didn't think much of it then. But that must have been the thief. Did you see where the thief went? When I came out to find the source of the ruckus, he got scared. All I saw was a flapping of wings before he hurried off towards the old diamond mine. Come to think of it, must have been the engine overloading that pulled Ah oui, bah vas-y. Into Underland. So this thief is the reason I'm stuck down here? I'm really sorry, Molly. Without those machine parts, you'll be stuck here forever. At least I'm not alone, right? If we work together, I'm sure we can fix this. How about I take a look in the diamond mine and ask around for a thief with wings? See if I can't solve this mystery. That sounds more like the Molly I know. Take the elevator up to the mine. If you can find this winged thief and get the machine parts back, we'll be able to send you home. Okay, here I go. Into a dark mine to catch a dangerous thief with wings. I guess I'm going on an adventure after all. Ah, je regarde, y a pas des trucs cachés là. Ah, toi. On l'a vu tout à l'heure, il y en avait un là-haut, donc je pense pas qu'il y en ait d'autres dans la pièce là. Ah. Oh, on l'a déjà faite celle-là quand c'est trop pico. I wonder if this piece will fit with the others. Ah, et on fait quoi? Ah oui, d'accord, lance. Hey, a slinged pieces of coal. Let's give him a shot. Oh, j'aime bien ces petites énigmes mignonnes là, c'est rigolo. And so, Molly took her first brave steps into the old diamond mine. But the diamonds were nowhere to be seen. The mine seemed hollow and barren. Ah, les petits effets, ça rend bien là, ça fait... On a vraiment ce volume hein, que vous n'avez pas sur l'écran. On est vraiment dans cette espèce de pièce, et puis ça va, plus on est haut, ça fait bizarre quand on regarde en bas. Je sais pas si vous voyez bien. Allez, je pense qu'à un moment ça peut foutre le vertige. Ah, tête d'ampoule. Ah, j'ai gardé le lance-pierre. Don't you know it's dangerous? I'm sorry, Mr. Lightbulb. I'm looking for a thief with wings. What now? I don't know nothing about no thief with wings. Not so loud. Jabberwocky might be listening. What's a Jabberwocky? Shh, quiet, or I'll dock our paychecks. This Jabberwocky, he doesn't happen to have wings, does he? Lord Jabberwocky is the fierce industrialist who owns this here mine. He's got wings indeed. And many of us do call him a thief. These caves used to shine with the light of 1,000 diamonds. That light gave power to us bulbs. Then the Lord and Queen of Hearts put Lord Jabberwocky in charge. Le cœur, now he forces us to mine the mountain. All the diamonds we find he takes. And he won't stop until we're all burnt out and the caves go dark. So he is a thief with wings. Where can I find him? The only one who's allowed audience with Lord Jabberwocky is the Employee of the Month. And we haven't had an Employee of the Month in, well, in years. You would need to offer him at least 4 diamonds. And these caves are already dark as it is. Undiscouraged, the girl pushed on, hungry to prove that she could become Employee of the Month.
Missing bunny. Somebody lost their bunny rabbit. In that moment, Molly saw a piece of fruit. Elle banana, tiens, c'est pour toi. It was, in fact, her favorite fruit in the world. That's right. Molly's favorite fruit in the world was banana. But she would never put it on pizza. I'm not a monster. Come on, got to earn that pay, got to work harder. That's an odd place to put a bowl of bananas. But I do love bananas. I could get the cart up on the track. Ah, c'est possible. Alors, je t'avoue que je fais pas le rapprochement. Je n'écoute pas en anglais, je lis, ou je fais pas les deux en même temps, en fait. Après, en général, ça doit avoir le même sens, même si c'est pas... Ah, peut-être là-haut. Ah oui, d'accord, je vois. Je pense qu'il faut, il faut casser la pierre, là, le truc là-haut. Yes. Back on track. Outil élique. Comment ça va? Alors B, ok. Là, j'ai changé la direction, on est bon. Ah mais oh! Ah, il fallait de l'élan. Ah, il faut de l'élan. Hop, j'ai chopé la cassette. Another memory is coming back to me. Ah, après, il faut que j'aille là-bas. Ouh. Hey, do you need any help? Nah. Have that? Whatever. I don't care anymore. Please don't get me down. At least this beat's working. Hang in there. Collecting the diamonds filled the girl with an immense sense of purpose. In reality, it was just her dopamine level spiking. Et un diamant. Ouais, j'avais des petites énigmes mignonnes, c'est rigolo, c'est pas difficile, mais sympa. Moi, ça me va. On va aller voir en bas, puis après, comme j'ai dit, on va pas trop avancer, parce que je voudrais pas trop spoiler le jeu, le but, c'est que vous le fassiez. Après, c'est pas des trucs compliqués, mais je vous laisserai découvrir quand même le type de jeu, je pense qu'il y a des petites surprises. You can't go through there. Only the employee of the month is allowed to meet Lord Jabal. Alors... J'observe par là... Ah déjà, faudrait que je le récupère. Est-ce que lui, il y a moyen d'aller... Ah oui, on peut aller là-bas. Donc, ouais, d'accord. En fait, on n'a pas fini ici. Je vois pourquoi. D'accord, il va falloir aller là-bas. Donc, il faut rechanger le sens du rail. Non, mais pas... va pas là, toi. Oh, je peux tenter. Hop, Y, ça vous remet en face. Alors, on va déjà faire ça. On le met dans le bon sens. Ensuite, on recommence. Attends, n'excite pas, j'arrive. Ah bah. Ok.
Non, non, reviens, reviens. Hey, what's that shining on the other side of the water? Ah, il y a un diamant là-bas. C'est sympa, c'est sympa. C'est sûr, il y a toujours des petites surprises qui vont découvertes. Is starting to take shape. You're really giving that diamond to Lord Jabberwocky? You're really giving that diamond to Lord Jabberwocky? If only I could get these buckets moving. Voilà, tu te calmes. Voilà. I've been telling everyone we should get unionized. Are you in, girlie? What a sad bunch. Lighten up, guys. Oops. Diamond is worthless. If only I could make it shine. Okay. I need inspiration, but the only thing I can think of is naked Bulbies. I'm too sad to paint. I guess I'm going through my period. Please don't tell the boss about our secret hideout. Coucou Jugur, comment ça va? C'est rigolo les grenouilles. Elsa, j'adore la tronche. Alors, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? On me recule un peu. J'ai le... Ah! J'ai connu ça, ouais, ouais. C'est le week-end maintenant. C'est bon, c'est tranquille. Ouais. Attends, ça c'est quoi? Plus rapide, plus lent. Finally, an idea. Alors attendez, je comprenne le principe là. 1, 2, 3, 4. Ah, ça fait de la musique qui change, ok. Il y a plusieurs pistes. Faut trouver le bon rythme. En fait, faut que les trois... Faut trouver la musique qui plaise aux trois, j'imagine, un truc dans le genre. Le style...
C'est ça. 4, même, ils sont 4. On a eu 2 pour l'instant. Eureka, I've got it. Ah merde, lui, ça marche plus. Donc ok, là j'en ai 3 sur 4. Plus que le dernier. Très sympa. Faut aimer. Ah. Ouais, bah si on a aimé le premier, je pense qu'on aimera le deuxième. Hein. C'est le même style. Un peu puzzle game, un peu. Un conte, un peu puzzle game. Narratif. Bref, non, c'est très sympa. Un type. Un genre bien à lui. Ah, merde, j'en ai plus que 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, 3. Voilà. 2. Ouais, c'est vu la troisième personne, il y a plein de mélanges en fait. Je pense qu'il est difficilement classable. Un peu l'esprit. Il n'y a pas de combat, donc c'est pas l'esprit non plus Moss, mais il y a le côté conte, avec la narration, avec ce petit environnement sympa, l'univers. Non, non, c'est un mélange de plein de choses, je pense. Il n'est pas vraiment classable. Donc lui, hop. Oui, tu peux jouer à deux, ouais, dans le jeu que tu parles. J'ai plus le nom là tout de suite, mais on peut jouer en duo. On le refera d'ailleurs s'il y en a qui l'ont. Faut trouver la combinaison où il y a les quatre qui dansent. Ça, c'est quoi? C'est le personnage qu'on peut... C'est... Non. La vitesse, ça a pas l'air de les déranger. J'ai perdu un. Ouais, ouais, c'est clean, ouais, ouais. Le jeu est propre. Hein. Visuellement, QGO, bien sûr, peut améliorer, mais c'est vraiment très correct. Il n'y a pas d'aliasing particulier. Un tout petit sentiment très léger, mais il y a encore. Bon, c'est très propre. Je pense qu'avec QGO, c'est encore plus joli, mais c'est correct. Il n'y a rien à dire là. Sur le visuel, c'est... Voilà. Après, bon, les textures, tout ça, ça, c'est parfois un peu baveux, mais quand on est surtout de près. Mais autrement, l'ensemble est cohérent visuellement. Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un. Pourquoi? Il n'y a pas des indices qui nous... Ah si, il y a des indices. Juste pour voir comment ça marche. Ah non, ici, ils en donnent pas. Ah si, là. Indice 1. On va juste regarder comment ça se passe. Le diamant peut seulement être chargé par la passion. Et, bah, super comme indice. Oui, il faut trouver la bonne musique, je pense, qui va passionner les mecs et qui leur donne envie. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il donne un indice quand il parle? Est-ce que tu as déjà tellement tué la tâche que tu as oublié tes vraies passions? Les bisous, Anya. Bon après, mais bon week-end. À bientôt. Allez, ça m'aide pas beaucoup leur indice. Hein. Peut-être nos artistes ont-ils besoin d'un peu d'inspiration. Ça, on avait compris. Donc indice 3, c'est pas des indices très... Merci Mars. Ouais, ouais. Bon, alors, les indices nous aident pas dans mon cas, parce que j'avais compris qu'il fallait... mis en route le système pour la musique, qu'il fallait trouver la bonne musique. Donc ok, les indices, ça donne... C'est vraiment des indices, hein. C'est pas... Donc c'est bien, c'est bon à savoir. Ça vous donnera pas la solution.
Dans certains cas, ça peut peut-être déclencher... là, on sait qu'on doit trouver la bonne musique. Mais comment trouver la musique du guignol là, qui reste là-haut là, qui... J'ai trouvé! C'était le dernier, il fallait que j'appuie sur la dernière touche, c'était ça, la 4. Voilà, pour activer l'autre. C'est une sorte de combinaison. The girl felt like she finally had real value. Real monetary value, that is. Des bisous drone, bon week-end à toi, bon après-midi, bon week-end, merci d'être passé. I need to prove to their boss that I'm worth his time. Ok, j'ai 2 diamants sur 4, je crois. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là parce que... Comme j'ai dit, je veux pas trop spoiler. Je sais pas si la durée de vie est très longue. Je crois que c'est pas des jeux qui sont très longs. Quand même, hein, on n'est pas à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que... J'aurais pas non plus... si on regarde le bouquin... Là... On va avoir peut-être une idée des chapitres. Donc là, on a tout découvert. Ça nous donne... on a trouvé tous les indices intéressants. Ah, bah mon casque arrive à la fin, tiens. Je l'ai pas chargé... Je l'ai pas mis à charger, là. Et il se décharge vraiment vite. Hein. J'ai pas mis la batterie. Donc là, j'ai trouvé... Ah, y a pas mal de textes, c'est écrit petit par contre, hein, ça va à peu près dans le casque, mais c'est vraiment écrit petit. Hein. Donc voilà, c'est plutôt sympathique comme jeu, moi j'aime bien. Après, à vous de vous faire une idée, hein. Vous avez vu un peu de gameplay, vous avez vu un peu de trucs. Donc voilà, on a Down the Rabbit Hole, c'est le premier qu'on avait fait... moi, j'avais fait il y a longtemps d'ailleurs, j'avais streamé il y a longtemps. Alors, je le referai, je pense, pour juste me remettre dans l'univers en plus. Et puis finir parce qu'ils sont pas très longs ces jeux-là. En tout cas, celui-là n'était pas très long, je sais pas le nouveau s'il est plus long. Et donc, celui-là, 20 euros, vous l'avez sur le Quest et vous l'avez aussi chez Pico. Donc, pareil, 20 euros pour l'instant. Et je sais pas s'ils feront un portage PCVR. Il y a des chances parce qu'ils avaient fait Down the Rabbit Hole. Il existe aussi sur PC. Donc, là. D'ailleurs, sur PC, il est toujours au même prix, donc il n'y a pas de promo. Pour l'instant, ça peut arriver. Voilà, qui était sympa. Si vous aimez ce type de jeu, un peu puzzle game, plateforme, est-ce que vous voulez tout mélanger, là. Et sur ce, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Et à la semaine prochaine. Je vais passer là avant. On se retrouve lundi pour la suite. Ciao, ciao. Bye.